Salutations chasseurs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir les teintures et comment les utiliser. Cette vidéo est découpée en 3 chapitres. Vous pouvez retrouver des timecodes associés à chaque chapitre dans la description. Bien, commençons. Les teintures sont des objets de jeu qui vous permettent de colorer vos pièces d'équipement, plus précisément les tenues, les accessoires et les armes. Les teintures sont divisées en 3 niveaux différents. Les teintures de niveau 1 vous permettront d'appliquer des couleurs ternes. Les teintures de niveau 2 vous permettront quant à elles d'appliquer des couleurs plus contrastées. Et enfin, les teintures de niveau 3 vous permettront d'utiliser toute la palette de couleurs disponibles. Il existe également des teintures magiques qui sont des teintures d'événements. Elles sont l'équivalent d'une teinture de niveau 3 mais doivent être utilisées au plus vite ou sinon elles seront détruites automatiquement au bout d'un certain temps. Les teintures peuvent avoir 2 attributs différents, échangeables, ce qui signifie que vous pouvez vendre cet objet à l'hôtel des ventes, et non échangeables, vous ne pouvez pas vendre cet objet. Les teintures ayant LTK dans leur nom sont non échangeables, et donc les teintures ne comprenant pas LTK dans leur nom, quant à elles, sont échangeables. Vous pouvez obtenir des teintures de différentes façons, en les achetant depuis l'hôtel des ventes avec vos CP, qui est la monnaie du jeu, depuis les coffrets de ravitaillement, via le système de synthèse pour obtenir des teintures avancées, combiner 16 teintures de niveau 1 pour en faire une de niveau 3, grâce aux événements de connexion journalière ou tout autre événement spécial. Les teintures vous permettent de colorer vos équipements. Pour ce faire, rendez-vous au livre de la connaissance et sélectionnez teinture. Comme vous pouvez le voir, votre écran est divisé en 3 onglets. À gauche, les teintures, au centre, l'aperçu de votre personnage, et à droite, votre inventaire. Sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier la couleur en faisant un clic droit. Dans l'onglet teinture, sélectionnez la teinture que vous souhaitez utiliser. Après utilisation, le compte diminuera de 1. Notez que vous devez dépenser quelques CP par teinture. Si vous disposez d'un équipement teint mais que vous préférez sa couleur d'origine, vous pouvez retirer la teinture via le bouton dédié à cet effet. Cette action aussi vous coûtera un peu de CP. C'est tout pour les teintures. N'oubliez pas de lire la description des objets que vous obtenez, allez faire un tour sur le wiki. Nombreuses de vos questions pourront être ainsi répondues assez facilement. Ce guide a été créé suite à la demande d'un abonné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, sur le Discord Curseul France ou en MP in-game.